Habitat et Francophonie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons enregistré à l'instant plus de 50 inscriptions pour participer à ce séminaire à distance. Alors, la, la thématique retenue, comme le disait Prudence, aujourd'hui est le, le bail réel solidaire, qui est un nouvel outil mis en place il y a quelques années en France pour faciliter l'accession à la propriété des ménages modestes en dissociant le, le foncier du, du bâti. Et dans ce regard, nous allons pouvoir profiter d'un exposé de Mme Nathalie Demelé, directrice de Habitat Rennes Métropole, et qui va nous faire part de l'expérience qui est la sienne dans la valorisation du bail réel solidaire de, de Rennes euh, Métropole. Je suis sûr que euh, ce retour d'expérience intéressera aussi bien les membres français de RHF qui n'ont pas encore créé ce dispositif, que les, les membres québécois, belges et africains qui ne connaissent pas du tout ou presque pas cet outil d'accession sociale et qui peut être une intéressante source d'inspiration. Je donne donc bien volontiers la parole à Madame Demelet et la remercie déjà pour la présentation de ce jour. Bonjour à toutes et, et tous. Donc, je vais. Euh... Tenter de vous présenter en webinaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un exercice facile pour moi, euh, parce que c'est très compliqué en fin de compte de parler par écran interposé. C'est beaucoup plus facile de le faire dans une salle parce que d'abord on peut ça peut être un peu itératif alors que là je vais vous faire un exposé et puis ensuite vous poserez vos questions. Mais néanmoins, si durant l'exposé, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, plus c'est vivant, moi, je vais me perdre aussi dans mes spécificités de présentation. Je vais vous présenter effectivement la question de, des OFS, l'organisme de foncier solidaire, qui est effectivement une structure qui va gérer les produits d'habitat. Euh, en accession sociale à la propriété, les gérer sous une forme dissociée avec la, la mise en place euh, donc, euh, et la gestion euh, des beaux, ce qu'on appelle le bail réel solidaire, le BRS en France. Mais je vais vous présenter ça de mon point de vue, sous mon prisme, qui est celui de la collectivité. C'est extrêmement important parce que vous auriez invité un opérateur à vous présenter le bail réel solidaire. Je pense qu'il ne vous ferait pas la même présentation que la mienne. Donc, on pourrait revenir après dans nos échanges, effectivement. Euh, et, et, et je disais à votre président tout à l'heure que on s'est beaucoup inspiré de, 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 de l'expérience belge, notamment de Bruxelles, où euh, on est aussi sur un autre mode et où ça part plutôt de la participation habitante, même si euh, il y a effectivement aussi, aussi une gouvernance des territoires dans les CLT bruxellois. Donc, juste pour vous dire d'où je parle, je pense que c'est important parce qu'on ne met pas en place ce type de dispositif comme ça par hasard. Ça s'inscrit dans une politique locale de l'habitat, donc dans un territoire et dans un territoire qui effectivement est aussi, est aussi à son contexte de marché de l'immobilier qui Conduit euh, effectivement toutes ces réflexions autour de la sécurisation de l'accession sociale parce que le BRS il s'agit bien euh, d'une sécurisation euh, de l'accession sociale à la propriété. Juste pour rappeler que Rennes c'est à 1h25 de Paris en TGV et que ce, ce, le territoire dans lequel je, je travaille c'est un EPCI donc c'est 43 communes euh, qui sont regroupées donc dans une politique intercommunale et à compétence à Habitat, euh, donc elle appartient à l'EPCI qui s'appelle Rennes Métropole. 462 000 habitants euh, donc, euh, euh, qui, pour ces 43 communes, dont 215 000 habitants sur la ville centre qui est euh, la ville de Rennes. On est, euh, on est effectivement soumis à une forte pression démographique euh, puisque euh, tous les ans on prend un. 1,2% d'augmentation de la population. Euh, et ce n'est pas un objectif, mais euh, dans les faits, en 2030, on devrait passer à plus de 500 000 habitants. En termes de croissance, on est la cinquième métropole euh, donc qui a la croissance la plus forte. Et ce qui nous caractérise par rapport à d'autres métropoles, on a essentiellement une croissance naturelle. Pas, pas essentiellement, pas exclusivement, il y a forcément une croissance liée au solde migratoire. Mais notre croissance majoritaire, elle est liée au solde naturel. Donc, on, est bien, on a bien cette nécessité euh, de, de, de produire de l'offre de logement pour loger les habitants du territoire. Ce n'est pas juste une question d'attractivité. Euh, voilà. Euh, donc, on a une politique locale de l'habitat. Cette politique locale de l'habitat, bah là, vous avez les objectifs qui vous sont représentés. Vous voyez bien mon diaporama, il n'y a pas de problème C'est bon une politique locale de l'habitat dont euh, l'objectif euh, principal, euh, ce n'est pas de produire du logement. Je dis souvent les, les politiques des collectivités, souvent elles, euh, alors de moins en moins, euh, mais euh, souvent vous voyez euh, que l'objectif principal, c'est des questions de production. Donc l'objectif principal, c'est de loger. Et de loger dans un cadre particulier qui est euh, de... de de, de tenter euh, d'assurer l'égalité au choix résidentiel. Et la problématique euh, quand vous avez ça comme commande politique hein, euh, euh, sur un territoire de dire euh, il faut loger les habitants du territoire et le faire dans un cadre où tout à chacun, enfin où on est capable d'assurer une certaine égalité au choix résidentiel. Ça veut dire bien entendu que la question des ségrégations est la question première qui va se poser et la manière dont les produits et l'offre de logement, entre le logement social, l'accession sociale à la propriété, l'accession intermédiaire, l'accession libre, se répartissent sur le territoire et comment on garantit qu'il y a un certain équilibre de tout ça. Donc pour le coup, on a des actions, on a quatre axes d'intervention principales. Les questions, euh, bien entendu, liées à la production, mais surtout les questions liées à la maîtrise de la chaîne immobilière et à la maîtrise euh, des prix. Et j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Nos trois piliers euh, pour, euh, pour assurer euh, effectivement la mise en œuvre de cette politique, hein, euh, bah ils, sont, ils sont les mêmes piliers partout, je crois. Hein. C'est les questions foncières. Euh, comment on assure l'abordabilité et comment on assure d'abord la disponibilité foncière et ensuite son abordabilité, les questions de production, comment à l'échelle d'une politique publique, on définit nos orientations en matière d'orientation programmatique, quel type de logement il faut produire, sur quelle base, selon quelle solvabilité des ménages, etc. Et puis les modalités financières qui vont bien avec et qui vont permettre que l'écosystème entier fonctionne. Donc ça, c'est notre boulot de collectivité de s'assurer que ces trois piliers sont bien articulés et, 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 et permettent d'atteindre l'objectif, donc cet objectif qui est de loger. Dans notre politique locale de l'habitat de Rennes-Métropole, on a défini trois grands secteurs immobiliers. Le premier, c'est tout ce qui a trait au logement aidé. C'est là-dessus qu'on va, qu va effectivement plus, plus amplement parler aujourd'hui, puisque l'accession sociale, donc le BRS, fait partie de ce qu'on appelle les produits aidés des politiques locales de l'habitat. Donc, ça, ça représente environ 40% des 5000 logements qu'on produit tous les ans. À côté de ça, on a, à côté du logement aidé, on a ce qu'on appelle le logement d'irrégulé. C'est du logement pour lequel on va encadrer les prix de sortie, mais en revanche, on va pas forcément apporter, euh, on va apporter une aide indirecte au foncier, mais c'est une aide beaucoup plus légère que pour le logement aidé. Et puis, on a le logement libre qui, par définition, est libre et se fixe en fonction des prix du marché. Alors attendez, j'ai perdu le contrôle de mon diaporama. Donc, pour venir plus amplement dans, au cœur de notre sujet, nous, on a développé une politique d'accession sociale à la propriété. Donc, une politique d'accession sociale en France, c'est quoi hein C'est un produit logement à prix encadré, qui est défini par des textes, et puis, euh, et puis ce sont des plafonds de ressources. Voilà. Alors, il euh, n'y a pas d'homogénéité à l'échelle de la France. On aime bien les zonages, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur ces questions-là. Mais en tous les cas, c'est ça, c'est des produits qui sont ciblés, comme pour le logement social, et puis euh, des plafonds de ressources. Il n'y a pas d'universalité euh, sur l'accès à l'accession sociale, il faut être sous des plafonds de ressources. Euh, depuis 1997, on développe une politique d'accession sociale active dans les différentes euh, politiques locales de l'habitat que nous avons menées, puisqu'aujourd'hui, depuis 1997, c'est pr près de 10 000 ménages qu'on a aidés à accéder à la propriété. Et pourquoi on a effectivement une attention particulière sur ce segment immobilier Tout simplement parce qu'on a besoin d'assurer la fluidité de notre parc locatif social. Si on veut effectivement loger les ménages économiquement les plus, les plus modestes et notamment avoir une offre locative sociale qui les accueille. C'est quand même une bonne partie euh, des actifs ou voilà, des personnes les plus vulnérables euh, qu'on peut retrouver sur un territoire. Encore fort il que les personnes qui, qui sont déjà logées dans ce parc-là, elles aient un parcours résidentiel. Et le choix de notre territoire, je, voilà, le parcours résidentiel il peut s'effectuer de différentes manières, et notamment en achetant son logement locatif social ou en sortant de ce logement locatif social. Nous, nous interdisons l'achat du logement locatif social parce qu'on considère que le logement locatif social, c'est un bien commun. C'est un bien de l'ensemble des métropolitains pour répondre à la demande la plus sociale du territoire. Et donc, pour le coup, on a effectivement, on s'est effectivement donné un objectif depuis 1997 de favoriser le parcours résidentiel notamment des locataires HLM en produisant massivement de l'accession sociale à la propriété, massivement j'aime beaucoup les mots euh, toujours un peu forts, c'est 15% de notre production, hein. ça, 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 c'est massif mais c'est pas non plus, euh, voilà mais c'est, somme toute c'est quand même euh, un volume très important et je vous dis depuis 97 c'est 10 000 euh, ménages c'est quand même 5 millions d'euros par an qui sont injectés dans cette politique par, du, par la collectivité Rennes Métropole, cette EPCI, 5 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Mais euh, il y a euh, voilà, au milieu des années 2000, vers 2015, un essoufflement de cette politique, avec une remise en cause politique, un peu de cette politique, euh, par nos élus, considérant que effectivement, peut-être euh, on crée des effets d'aubaine beaucoup, beaucoup trop importants. C'est-à-dire qu'on assure, euh, on assure euh, des disponibilités foncières, on va solvabiliser le foncier pour que des opérateurs puissent produire du logement en accession sociale. Donc, euh, en gros, euh, euh, quand on a du foncier public, on va le vendre à un prix très décoté à un opérateur euh, coopératif euh, de, co de construction pour qu'il puisse produire un ensemble immobilier à un prix tout à fait, euh, tout à fait compatible avec de l'accession sociale. Et puis au bout du compte, très vite, euh, ce produit, il est revendu sur le marché immobilier de manière euh, libre. Euh, et euh, pour le coup, il y a une captation euh, de la valeur qui a été créée par la politique publique au bénéfice euh, de l'intérêt privé et du particulier. Donc un essoufflement. Euh, avec ce sentiment de puissant fond, ce sentiment d'une politique du one-shot, inefficace dans la durée. Et c'est pour ça que enfin, je vous ai mis quelques exemples hein, des, des, des logements qu'on avait vendus 155 000 euros euh, qui, euh, même pas six ans après, se revendent 250 000 euros. Et donc, euh, le, vraiment, le, tous les effets et tous les efforts publics pour contenir les prix euh, sont très vite euh, les biens étant très vite recyclés sur un marché immobilier libre, très vite on en perd le bénéfice. et bien entendu, si on en perd le bénéfice, ça veut dire que les nouveaux acquéreurs, c'est plus les mêmes. on ne s'adresse plus au même type d'acquéreurs. on s'adresse à des acquéreurs qui sont souvent plus âgés, beaucoup plus riches, et on n'a pas assuré notre pouvoir d'habiter, l'égalité au choix résidentiel, etc. et dans un contexte de transition écologique, on ne va pas pouvoir continuer à avoir euh, des extensions urbaines toujours plus loin pour assurer euh, l'accession à la propriété des ménages les, les, les moins fortunés, et bien, il faut qu'on s'assure que cette accession dite abordable ou sociale euh, reste euh, effectivement durablement présente sur notre territoire et ne soit pas recyclée trop rapidement sur le marché libre. C'est pourquoi euh, je vais passer ces diapos là pour pas trop... Euh, voilà, vous, vous aurez le diaporama de, tout, de toute manière. C'est pourquoi, pourquoi on a réfléchi, euh, alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu un certain nombre de réflexions à l'échelle de la France sur le modèle belge bruxellois, notamment des CLT, des Community Land Trust euh, version Bruxelles, mais américaine à la base. Et euh, on s'est dit, bah, ce foncier qu'on a... Qu'on a effectivement euh, solvabilisé ce foncier euh, sur lequel on a, on a, on a investi de l'argent public. Eh bien, il faut en faire un bien commun, et, et ça a été toute la réflexion qui a été menée en France sur euh, le fait de faire euh, du foncier un bien commun de manière à pouvoir avoir, euh, euh, d'une part, euh, euh, des, des, comment, une accession euh, sociale abordable, durable sur notre territoire, et surtout une pérennisation des dépenses publiques en faveur du logement abordable. Parce que ça, c'est très important, c'est le fait de dire que quand on investit un euro, on ne l'investit pas, on va, ne on va pas l'investir juste, juste pour le premier acquéreur, mais ce 1 euro investi, eh bien, il va aider le premier, le deuxième, le troisième, le, troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et de manière assez perpétuelle l'ensemble des acquéreurs qui pourront, qui pourront acheter le logement. Donc comment ça fonctionne concrètement bah, C'est le principe de la dissociation, de la dissociation immobilière et de la dissociation foncière avec nous deux, euh, deux piliers euh, deux, voilà, qui, qui sont articulés. D'une part, la mise en œuvre d'un outil spécifique qui s'appelle ici euh, l'organisme foncier solidaire. Alors contrairement au modèle bruxellois, ce euh, C'est pas des modèles participatifs. On n'est pas, euh, pas euh, un groupe d'habitants, euh, voilà, des communautés euh, participatives qui vont euh, créer un community land trust. Et, et on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est dans un modèle où c'est une structure qui est créée par des professionnels. Il euh, y a trois natures de, de, de professionnels, enfin de, de familles qui peuvent créer des OFS. C'est les collectivités, les établissements publics publics fonciers locaux ou les opérateurs hlm. ce sont les trois familles qui ont cette potentialité d'aller créer un organisme de foncier solidaire qui va recevoir un agrément de la part de l'état. pour recevoir un agrément de la part de l'état, il faut que l'organisme de foncier solidaire s'inscrive bien dans une activité à but non lucratif. et donc c'est cet organisme de foncier solidaire qui va être propriétaire des terrains et qui va rester propriétaire euh, qui va qui va qui va être propriétaire de terrain et qui va y rester et va consentir des droits réels immobiliers à des acquéreurs de logements. Ce qui va relier euh, notre notre structure organise de foncier solidaire à à l'acquéreur, c'est ce fameux bail réel solidaire, ce bail réel solidaire qui est effectivement euh, la relation contractuelle entre le propriétaire euh, du terrain et le propriétaire du logement, hein, puisqu'on a, voilà. Et donc, euh, c'est un bail hein, qui va définir les droits et devoirs de chacune des parties. Et surtout, c'est à travers ce bail qui va être défini les conditions de revente du logement. C'est-à-dire que, effectivement, en France, dans le cadre de nos dispositifs BRS, euh, J'achète un logement à 2800 euros, à 3000 euros, à 4000, à 5000, ça dépend où je suis. Si je l'achète en BRS, à, en ce qui concerne la Métropole, à 2800 euros, eh bien, euh, mon BRS, mon bail, va dire que quand je vais revendre ce logement, je devrais le revendre à 2800 euros, actualisé, bien entendu, du coût de la vie et éventuellement des travaux euh, euh, d'amélioration apportés, euh, apportés dans le logement. Donc ça c'est très important, c'est effectivement euh, euh, cette question de, de l'encadrement du prix de revente. Et cet encadrement du prix de revente, il, est pas, euh, il, est, il va devenir perpétuel. Et c'est un peu euh, l'innovation euh, apportée par et la loi Allure et les ordonnances Macron sur le BRS. C'est cette question de perpétuité euh, de la dissociation. Concrètement, comment ça fonctionne Vous avez un OFS qui achète un terrain. Il va euh, confier la construction à un organisme, soit une coopérative de construction, soit un organisme HLM. Il va confier la construction. Ce, cet organisme, ce, ce constructeur, va vendre en VFA, puisqu'en France, on vend euh, donc sur plan les logements, euh, va vendre en VFA les logements à des acquéreurs. Au fur et à mesure où il vend les logements aux acquéreurs, euh, le, le L'OFS va effectivement passer un BRS avec l'acquéreur du logement qui va, qui va être fixé sur 99 ans. Et quand le ménage va revendre son logement, eh bien, il va le revendre à un autre acquéreur qui remplit les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'effectivement, un acquéreur qui rentre dans les plafonds de l'accession sociale, si c'est l'accession sociale, euh, donc euh, un ménage qui remplit les conditions d'éligibilité à l'accès aux produits, et au moment où il va revendre le logement à ce nouvel acquéreur, le bail va être de nouveau rechargé pour la même durée, c'est-à-dire pour 99 ans. Donc, à chaque mutation, on repart sur un bail nouveau de 99 ans. C'est comme ça, c'est par ce mécanisme qu'on assure la dissociation perpétuelle. C'est-à-dire que, sauf si vous avez une personne de 15 ans qui achète le logement, enfin, de 15 ans, c'est pas possible, mais 18 ans qui achète le logement et qui vivrait, qui vivrait 120 ou 130 ans et qui resterait toujours dans son logement, euh, sauf dans ce cas-là, euh, la dissociation va rester tout le temps perpétuelle puisque à chaque fois que le logement va changer de main, eh bien le bail va être rechargé. Alors, ce qui, est, euh, ce qui est... Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire de, de, de renouvellement des baux C'est parce que les baux, euh, ça existe depuis euh, très longtemps, euh, que ce soit en France ou dans d'autres euh, pays. La seule chose, c'est que jusqu'alors, euh, il n'y avait pas euh, de, de rechargement euh, du bail. Donc, il n'y avait pas de perpétuité dans la dissociation. Et donc, à la fin du bail, c'était le propriétaire du foncier qui devenait propriétaire du logement. Et donc, ça, ça ne ça pouvait pas fonctionner. Vous ne pouvait pas avoir un acquéreur de logement qui va acheter un logement. Et au moment euh, où il a fini euh, de, de le payer parce qu'il arrive à la fin du bail, il perdrait la propriété de son logement. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment tout, ce, tout cet arsenal juridique pour s'assurer que la dissociation euh, de la propriété soit indéfinie dans le temps. Ce qui va... Euh, le point le plus important, à mon sens, c'est aussi euh, la manière... Euh, donc euh, on, a, on dit couramment qu'effectivement... Euh, en faisant de la dissociation, on retire le foncier du marché spéculatif. Ce qui fait la valeur d'un logement au moment de la revente, c'est bien l'endroit où se situe ce logement-là. Il y a bien entendu sa qualité de construction, on est bien d'accord, mais si le logement se trouve au cœur de la ville, au centre de la ville, ou s'il se retrouve dans les campagnes, il n'aura pas la même valeur, même s'il a la même qualité. Donc, euh, donc effectivement, c'est bien, bien la localisation du logement, c'est la valeur du logement apportée par le foncier au moment de la revente qui en fait sa valeur finale. Donc à partir du moment où il y a une dissociation, on encadre le prix de revente, ça veut dire que l'effet localisation dans la revente ne va plus jouer de la même manière. Par contre en amont, et c'est un peu l'alerte que j'essaye de faire à l'échelle nationale en France, il faut faire extrêmement attention à la manière dont on acquiert le foncier. C'est pour ça que moi, je suis très prudente sur des OFS qui seraient des OFS promoteurs ou opérateurs qui se mettraient en place et qui ne seraient pas articulés avec des politiques publiques, politiques publiques de l'habitat et politiques publiques foncières. Pourquoi Dans l'exemple français, en tous les cas, vous pouvez très bien avoir une coopérative qui va acheter un foncier à un prix de marché, 1000 euros du mètre carré. C'est effectivement ce qui s'est passé en France ou même dans la région parisienne, 1500 euros du mètre carré. Certes, ce coût de foncier ne va pas rentrer dans le compte à rebours immobilier qui permet de définir le prix de vente. Mais en revanche, la coopérative, il faut bien qu'elle finance son acquisition foncière. Comment elle finance son acquisition foncière Elle va faire un prêt auprès de la Banque des territoires, euh, autre spécificité. Elle va faire un prêt très long terme. Mais néanmoins, la Banque des Territoires, elle, elle va se rembourser. Donc, il y aura des annuités d'emprunt. Et ces annuités d'emprunt, il n'y a personne qui est bénévole, il n'y a pas de Saint-Esprit dans l'affaire. Eh bien, ces annuités d'emprunt se traduisent par une redevance locative. C'est-à-dire que c'est l'acquéreur du logement qui va payer un loyer foncier pour rembourser l'annuité d'emprunt fait par, par l'OFS c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un outil euh, qui est très pertinent qui peut avoir un côté magique comme ça mais en aucune manière il doit dispenser les territoires les collectivités les pouvoirs publics d'agir sur le prix du foncier en amont parce que c'est ce de ce prix du foncier que va dépendre la viabilité la solvabilité euh, euh, globale du ménage le ménage euh, il emprunte pour rembourser déjà son logement. Si en plus il doit avoir un loyer foncier euh, dans la région parisienne, on a des redevances locatives, pour vous donner des exemples, qui peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4 euros du mètre carré. Je vais le faire simple. Hein. 4, 5, je crois que la plus forte, c'est 5 euros du mètre carré. Vous avez 5 euros, 5 euros 100 mètres carrés, ça fait 500 euros par mois, auquel vous ajoutez forcément votre remboursement de prêt immobilier. Vous voyez bien qu'on peut être dans un dispositif extrêmement euh, euh, pervers euh, de mise en danger de l'acquéreur. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'insiste beaucoup sur cette question-là. Il y a la nécessité quand on, quand on, c'est pas l'OFS. L'OFS, il a pas de recette magique pour financer du fonds cher. L'OFS, lui, c'est lui qui va garantir que tous les investissements en amont qui ont été faits pour pour permettre l'abordabilité du foncier, ne soit pas capté par, euh, par euh, la spéculation immobilière. C'est ça, il protège, mais en aucune manière, il n'a de baguette magique pour faire que le foncier ne coûte pas cher. Donc voilà, je voulais juste, parce que c'est des grands débats qu'on a en France, euh, autour de cette question-là. Euh, Faut-il plafonner la redevance Faut-il. Faut euh, parce que la redevance n'est pas plafonnée par les textes donc, euh, et comme on a des opérateurs et vous avez des collectivités qui se disent ⁇ Ah, bah super, il y a l'OFS ⁇ donc du coup, ça me dispense de venir, euh, de venir apporter de l'aide aux fonciers. Voilà, donc il n'y a pas de recette euh, magique qu ait, euh, que l'OFS aurait pour financer euh, les produits. En ce qui concerne notre OFS, euh, bon je ne vais pas trop m'étendre sur le nôtre parce que voilà, euh, il est, il est euh, effectivement, il a été créé en 2018. et il est vraiment d'initiative collectivité, hein, comme vous pouvez vous en douter. Euh, et les membres fondateurs de l'ofs, c'est euh, la collectivité rennes métropole, les coopératives de construction, membres de la fédération des, des COP de construction et les organismes HLM du territoire. Euh, notre FS il a pour vocation à produire 600 logements par an et aujourd'hui nous sommes environ à 1000 logements qui sont déjà agréés et qui sont déjà. Alors, une partie, une partie est livrée, une petite partie est livrée, mais la plupart des logements sont en cours de construction à l'heure où, où je vous parle. On a un modèle qui est le plus, le plus solvabilisateur pour les ménages quasiment de France hein, puisqu'on vend à 2 800 euros TTC du mètre carré là où le marché libre est à 5 900 euros. Et pourquoi on vend à 2 800 euros euh, bah Parce qu'il y a tout cet investissement public en amont et, et tout ce qu'a défini le PLH en termes de péréquation, de prix administrés, etc. Ce n'est pas tant l'objet, mais vous voyez… Ça permet de définir un prix qui correspond effectivement à la solvabilité des ménages cibles. Et nous avons la redevance locative la plus basse de France, peut-être même du monde, puisqu'elle est à 0,15 centimes d'euros par mètre carré par mois. Donc, c'est vraiment la plus basse que vous, pourriez, que vous pouvez trouver. Parce que, effectivement, la question de comment je finance le foncier, Comment je rends le foncier abordable et géré en amont et n'est pas répercuté et géré en amont par la politique publique et n'est pas répercuté sur la redevance ménage. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de faire d'emprunt pour financer le foncier. Concrètement, comment ça fonctionne Il euh, y a un prix du foncier dit euh, social euh, qui est revendu à l'OFS et nous Rennes Métropole, on apporte une subvention à l'OFS pour acheter ces fonciers qui sont fléchés, donc avec des prix encadrés. Donc, ça, c'est très important et on tient beaucoup à ce modèle-là, qui consiste à dire euh, il faut que la maîtrise publique des prix du foncier soit gérée dans le cadre des politiques publiques et de l'habitat et des politiques foncières, comme pour le logement social. Voilà. Euh, sur la revente, donc comment ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment ça fonctionne le mécanisme de la revente, bah, tout simplement euh, euh, les gens sont tout à fait libres de revendre, mais ils doivent revendre à des ménages qui sont éligibles au dispositif et le ménage est agréé par l'OFS et quand il acquiert, euh, quand le logement est revendu, bah, le nouvel acquéreur repart avec un bail aux mêmes conditions pour euh, 99 ans. Euh, ce sont des biens qui sont transmissibles. Euh, S'il y a un décès, c'est important. Euh, c'est souvent des questions qu'on nous pose. C'est des biens qui sont transmissibles. Si les héritiers rentrent dans les plafonds, euh, sont éligibles au BRS, ils peuvent occuper de leur, le logement. S'ils ne sont pas éligibles, ils doivent le revendre. Ils touchent le produit de la revente, mais, euh, mais ils ne peuvent pas l'habiter euh, pour eux-mêmes. Voilà. Euh j'ai un petit film, je vais essayer de. J'aime bien les petites animations très rapides, je vais essayer de, de vous le passer. Je fais une tentative, si effectivement ça fonctionne, ça sera très bien. Si je n'y arrive pas, bah on, je vous l'enverrai. Ça ne dure pas très longtemps. Alors attendez, je regarde juste que j'ai inclus le son dans mon partage. Inclure le son, c'est bon. Hop. Vous voyez la petite vignette, la nouvelle petite vignette, c'est bon? Je lance. Ah. Excusez-moi, j'ai pas cliqué sur le bon euh, partage. Ça arrive, hein. Voilà. Je m'appelle Vous Ron avez Dubois, le son. Oui, tout va bien. Nous attendons notre deuxième enfant. Actuellement, nous habitons à Rennes et louons un appartement T3 pour un loyer mensuel de 525 euros. Nous souhaitons acheter un logement plus grand, sur Rennes ou dans une commune toute proche. Avec un revenu mensuel moyen de 2200 euros, nous n'arrivons pas à trouver un bien sur le marché rennais qui nous permettrait de devenir propriétaire. Connaissez-vous le dispositif de l'accession sociale sur Rennes Métropole Via un bail réel solidaire réalisé par l'association foncier solidaire Rennes Métropole. Des logements sont vendus à des prix maîtrisés, jusqu'à 40% inférieurs au prix du marché libre. Pour en bénéficier, vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond fixé par la réglementation. Mais quels sont les avantages Vous achetez en moyenne votre logement au prix de 2055 euros TTC mètre carré habitable, alors qu'il peut atteindre 4000 euros TTC et plus sur certains secteurs de Rennes. Comment est-ce que c'est possible d'acheter à ce prix Vous devenez propriétaire de votre logement, mais le terrain est acheté par l'association foncier solidaire Rennes Métropole. Prenons un exemple. Votre appartement T4 de 80 mètres carrés coûte 160 000 euros. Vous rembourserez 640 euros par mois pendant 25 ans, soit un taux d'endettement inférieur à 30 Et vous serez exonéré de 30 d'une partie de la taxe foncière. Mais comment cela se passe quand je souhaite revendre mon logement Le prix de revente de votre logement est encadré. Et vous le revendez à une personne qui respecte également les critères de l'accession sociale. Si vous n'arrivez pas à le vendre, l'association Foncier Solidaire et de Métropole rachète votre logement. Le prix de vente de votre logement peut être valorisé des travaux que vous avez pu y réaliser. Il me reste donc à contacter un des promoteurs pour présenter mon dossier de candidature à la commission d'attribution. Et voilà, je, voilà pour le petit motion design qu'on avait fabriqué pour lancer auprès du grand public, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, hein, et c'est aussi là-dessus que je voulais. Intervenir, Il faut effectivement bien expliquer euh, euh, de, quoi, de quoi il s'agit. Hein, euh, et c'est important euh, pour, pour les ménages euh, de, 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 bien comprendre, de, de bien comprendre le mécanisme. Je voulais juste euh, aussi préciser, euh, notamment par rapport au modèle belge, parce que je crois qu'il y a beaucoup de belges autour euh, des. Enfin, bruxellois plutôt, hein, parce que j'ai bien compris que c'était pas forcément un modèle. Vous euh, euh, voyez bien, on n'est pas. Euh, il n'y a pas de cooptation. Ce n'est pas un groupe qui, qui se constitue pour faire un projet d'habitat participatif et monter un CLT, etc. On n'est pas dans ce cadre-là. Là, on est vraiment dans la mise en œuvre d'une politique publique d'accession sociale à la propriété dont il euh, dont, euh, 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 y a un processus d'attribution si ouvert à tout le monde à partir du moment où vous, où vous rentrez dans les critères d'éligibilité, etc. Donc, c'est un peu ce qui nous différencie un peu des CLT, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un processus, je, je, je vais employer un mot qui n'est pas très joli, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, mais quand même administré euh, et qui définit des règles et des règles qui sont de l'ordre de, de politique publique. Voilà, donc ça c'était important euh, effectivement euh, de préciser les choses. Et effectivement dans le petit film euh, il, a été, il a été évoqué le fait que l'OFS et c'est ça qui est, qui est très protecteur pour les acquéreurs. L'OFS de toute façon si l'acquéreur n'arrive pas à revendre son logement puisque il faut aussi penser que les marchés peuvent s'inverser. Quand on dit euh, on va vendre un logement à 2800 à 200 000 euros le ménage devra le revendre 200 000 majorés d'un indice du coût de la vie au maximum, mais à un ménage qui remplit les conditions de l'accession sociale. Si en face de lui, il n'y a personne qui veut acheter son logement dans les conditions de l'accession sociale. Quid euh, On ne va pas laisser le ménage euh, effectivement euh, euh, prisonnier de son logement. L'OFS va se porter acquéreur s'il y a une défaillance du marché. Et c'est très sécurisant à tel point que les banques et moi, je le dis tout le temps aux banques parce que parlons aussi euh, du financement de cette accession. Aujourd'hui, il n'y a pas un produit plus sécurisé que ça qui existe, même le logement social. Euh, voilà, donc c'est un produit extrêmement sécurisant pour, euh, pour euh, y compris euh, les prêteurs, ceux qui vont octroyer euh, les prêts immobiliers aux acquéreurs. Alors, je vais repartager la fin de mon diaporama. Hop. donc on est tellement convaincu par ce mécanisme de la dissociation et je vais, je vais faire mon ouverture très rapidement pour vous laisser euh, terminer euh, poser des questions nous sommes tellement convaincus par, par ce mécanisme de la dissociation c'est vraiment du fait de dissocier la propriété immobilière et la propriété pour faire en sorte que les actifs puissent habiter leur territoire, parce que c'est bien de ça dont on parle, que nous allons généraliser ce principe sans avoir le cadre législatif et réglementaire euh, qui euh, nous permette d'assurer euh, la sécurisation euh, telle qu'elle est apportée par le BRS. Donc, euh, je ne vais pas trop euh, m'étendre, parce qu'après, on rentre dans le droit français et chacun a son, son dispositif juridique. Mais en gros, on va sur l'ensemble des produits immobiliers et notamment l'ensemble des, des fonciers publics. Et nous, on a beaucoup, beaucoup d'opérations en aménagement public. On ne va plus jamais vendre de fonciers. On va automatiquement faire un bail. Un bail en accession sociale qui sera un bail perpétuel tel qu'on vient de le voir avec le BRS. Et sur les autres produits de l'accession sociale, comme on ne peut pas le faire avec le BRS, on va le faire avec un autre dispositif qui s'appelle le bail à construction, qui est limité dans le temps, mais, euh, mais ça nous permettra quand même euh, d'encadrer euh, sur une durée plus longue la trajectoire d'évolution des prix d'un logement produit sur les opérations d'aménagement. Donc concrètement, on fera un bail à construction quand on va avoir un foncier dans les opérations d'aménagement, il sera établi un bail à construction, le promoteur n'achètera pas le foncier, il, il achètera il se portera acquéreur du bail pour une durée de 25 ans qui rétrocédera après par petits bouts à chacun des acquéreurs. Et à côté de ce bail, on aura une promesse unilatérale de vente du foncier pour l'acquéreur le propriétaire du logement. Qui, lui, qui, va, qui va lui garantir qu'au bout de 25 ans, il deviendra propriétaire du foncier, à condition que pendant les 25 ans, l'ensemble des acquéreurs du logement aient bien respecté les prix de revente fixés par la promesse unilatérale de vente du foncier. Donc c'est bien le fait, ce tout type de dissociation, même s'il n'est pas perpétuel, aujourd'hui on a des possibilités de faire de la dissociation pour encadrer sur une durée longue que la simple livraison du logement les prix euh, les prix de l'immobilier et l'évolution des prix de l'immobilier sur un territoire et je vous passerai le diaporama et vous verrez que ça va concerner l'ensemble des produits immobiliers de l'offre sociale jusqu'au logement libre voilà je peux répondre à vos questions. Je pense que j'étais un peu longue, comme d'habitude. Non, mais c'était excellent, voilà de <laughs> Merci infiniment. Donc, nous allons donc sans plus tarder euh, laisser la parole à celles et ceux qui souhaitent euh, s'exprimer, poser des questions ou apporter des contributions. Et je salue par ailleurs la forte présence euh, de la Wallonie. En fait, hein. c'est un modèle qui vous est familier. Donc, euh, Vincent, je ne sais pas si vous avez une question à poser ou une réaction. Mais les deux, alors, je dirais. Euh... <laughs> J'interviendrai je, 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 plutôt en tant que euh, membre belge de, de RHF. Euh, D'abord, effectivement, vous avez dit que vous avez eu des contacts avec euh, certains opérateurs euh, de la région bruxelloise euh, chez nous. Et euh, le côté participatif euh, des de nos amis euh, bruxellois a été fortement mis en, en, en avant parce que les promoteurs étaient des, essentiellement des, des, des gens issus du monde associatif. Et dans les faits, ça, ça a constitué un frein au développement au niveau de, de l'ensemble de la Belgique ou en tout cas de, de, de la région Wallonne de pouvoir développer euh, ce, ce modèle. Euh, du CLT que vous avez fait évoluer ici en BRS. Et donc je pense que maintenant, à travers l'évolution qui a été celle qui a été présentée ici au niveau français, un retour vers la Belgique et vers la région peut-être va nous permettre de aussi faire évoluer ce modèle. Alors j'avais deux trois questions. Euh, vous avez dit que, en tout cas pour votre région, euh, l'objectif était de créer quelques 600 logements par an. Ça implique euh, toute une administration. Euh, donc, c'est carrément un organisme neuf qui est créé avec du personnel qui a dû être euh, engagé, non Non. Euh, non Je vous dirai comment. On a, on a zéro personnel. Ah, OK. Ce serait intéressant à connaître la réponse effectivement à cette question. Et alors, vous avez dit également que euh, si euh, le, le ménage qui a acquis le bien souhaitait après euh, le revendre, il fallait pouvoir trouver euh, un autre euh, acquéreur qui respecte les mêmes conditions d'éligibilité. Mais comment... Euh, Comment le vendeur peut-il vérifier que l'acquéreur potentiel respecte les conditions Est-ce que c'est lui qui doit se charger de cette vérification Ou est-ce que c'est le partenaire public qui, qui s'en occupe Et puis une sous-question enfin, vous avez parlé d'une adaptation de la valeur de l'immeuble au, au coût de la vie en cas de, en cas de revente. Mais quel est le, le paramètre exact qui est pris en compte pour calculer cette adaptation alors, pour, euh, pour euh, répondre à la question du personnel, sur l'OFS de Rennes-Métropole, ce qui n'est pas le cas de tous les OFS de France, sur l'OFS de Rennes-Métropole, on a mutualisé, en fin de compte, les membres de l'OFS, notre aménageur, Rennes-Métropole, et l'ensemble des constructeurs de l'accession sociale à la propriété. Et donc, du coup, on a mutualisé nos savoir-faire, c'est-à-dire qu'on s'est dit, avant, on fabriquait de l'accession sociale, elle n'était pas sécurisée, mais... Les métiers étaient là. Donc comment on se met en commun pour continuer à dérouler le même, la même chose Et effectivement, les nouveaux métiers, comment on va gérer euh, la gestion des nouveaux métiers Donc ça, les nouveaux métiers, on les a gérés non pas par un recrutement, mais par un contrat de prestation de coopération au sein de, des membres de l'OFS. Voilà. Donc euh, c'est le modèle Rennes, c'est pas le modèle partout. Euh, vous avez euh, l'OFS lyonnais, euh, par exemple, ils ont une directrice, euh, des services. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Encore une fois, pour être euh, très attentif à la redevance locative. Parce que euh, tout frais, tout frais de fonctionnement, <laughs> c'est la carte du logement qui va le payer. Hein, euh, voilà, il n'y a pas de recette miracle. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye. Donc là, on a fait un deal avec. Euh, l'ensemble de, de nos constructeurs qui travaillent sur l'accession sociale en se disant on se met ensemble et puis on a un contrat de coopération et chacun fait ce qu'il faisait mais dans ce cadre réuni et ce cadre associatif qui nous réunit. Donc ça c'est pour la première question. La seconde question sur, le, sur les acquéreurs. Donc c'est des plafonds de ressources effectivement qui sont publiés. Non, alors le, 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 le vendeur peut tout à fait s'appuyer sur un des membres de l'OFS pour faire vérifier qu'il a plutôt en charge de, de, de gérer avec lui les reventes. Donc, euh, les, les acquéreurs, les vendeurs pourront toujours s'appuyer sur, un, sur une coopérative qui s'appelle KEREDES qui va gérer les BRS dans, dans la durée et notamment la relation avec, avec les vendeurs ou les acquéreurs des BRS. Et l'indice qu'on utilise, nous, pour le coût de la vie, c'est l'IRL, l'indice de révision des loyers. Mais là encore, les OFS peuvent être complètement libres. Vous pouvez prendre l'ICC, l'indice du coût de, de, de construction, de construction, de voyez, consommation. L'ICC, non. Vous pouvez prendre un indice de BTP, peu importe l'indice que vous prenez. Euh, enfin, peu importe, pas tout à fait. Parce que nous, on avait pris l'indice qui, qui, à notre sens, est le plus maîtrisé par les pouvoirs publics et qui, évolue, euh, qui peut évoluer le moins vite, l'IRL. Euh, et, et qui est en relation quand même avec la question du logement, hein, puisque c'est aussi l'indice qui est appliqué pour le logement social. Donc, voilà. OK, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions Mitez-moi, je vous vois connecté. Vous avez une question à poser Euh, Mitemon, on vous entend très faiblement. Vous juste euh, parler plus fort, s'il vous plaît. Ouais, Excusez-moi, mon, mon micro était mal dirigé. Euh, ah, oui, bien, non, c'est simplement une réaction de dire que c'est très inspirant pour le Québec. On a, on a quelque chose qui peut s'apparenter un peu, mais qui, qui est en, en plusieurs points... Très différent, c'est les coopératives de propriétaires. Donc, on a dissocié mmh. le foncier du bâti d'une certaine façon, mais on est très loin de ce que vous faites. Puis, je crois que ben, notre ministre euh, du Logement euh, était en France il y a deux semaines. On a essayé de, de porter à son attention le bail réel solidaire le plus possible, mais je crois qu'on a beaucoup de chemin à, à faire. Là, donc, euh, peut-être qu'on fera appel à vous <laughs> dans le futur pour aller préciser certaines, certains ben, éléments. Volontiers, mais c'est vraiment la différence que nous voyons, notamment avec les modèles anglo-saxons ou le modèle belge. Effectivement, c'est cette question, est-ce qu'on sait une propriété collective Et c'est intéressant aussi les coopératives d'habitants et se dire, euh, en fin de compte, on organise la propriété collective du sol. Et puis, chaque, 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 chaque ménage est propriétaire individuellement de son logement. C'est un peu le modèle qu'on retrouve aussi dans, enfin, moi pour être intervenu sur Dakar et connaître bien la Cité FSH. Et euh, ce qui est mis en place par Passen, euh, effectivement, c'est un peu ce modèle-là, c'est comment on a euh, cette propriété collective qui va garantir euh, le, le, le fonctionnement de l'ensemble et surtout le fait que euh, ce sont des biens qui ne partiront pas sur le marché spéculatif. Donc ça, c'est intéressant, mais dans notre cas, à nous, euh, ce qu'il fallait garantir, c'était l'investissement public. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accession sociale à la propriété sans investissement public. Et cet investi investissement public, je rappelle, on met 5 millions d'euros par an. Là, on va mettre 6 millions d'euros par an pour produire cette accession sociale à la propriété. Eh bien, euh, effectivement, il faut qu'on soit droit dans nos bottes vis-à-vis -vis de l'ensemble des habitants de la métropole pour leur dire, ce pas de l'argent qu'on donne à Monsieur Durand, Madame, Madame, peu importe comment je pourrais l'appeler, euh, ce n'est pas l'argent qu'on transfère à des gens en particulier, c'est l'argent qu'on investit dans, une, dans, un, dans un objet social durable. Et c'est ça qui euh, fonde le modèle français. Juste une petite Merci. question, je comprends que c'est la, la loi Macron donc, qui a permis ce modèle là ouais. euh, loi. Loi Allure, loi Allure ouais. qui a créé les OFS et les ordonnances Macron qui a, qui a créé le BRS. Okay. Merci. Merci beaucoup, Michel. Vous avez levé oui, la bon main, vous avez la, parole. la parole. Oui, oui. Bonjour, euh, bonjour à tous, bonjour madame. Merci pour la présentation. Euh, avec le recul de quelques années d'expérience, quels seraient éventuellement les points de vigilance à avoir les inconvénients ou les, les points de faiblesse du dispositif. Quelles quelle conclusions vous avez pu tirer ah, là-dessus Les points de faiblesse, pour moi, c'est pour une fois. Alors, pour ceux qui vous ne me connaissez pas, mais ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas forcément quelqu'un qui revendique des règles à tout prix nationales qui viennent figer les contextualisations locales et les territorialisations. Mais néanmoins, je trouve que à vous, le cas, notre cale législative, enfin le compte permet de faire toutes les adaptations. Euh, en dehors du fait de définir l'éligibilité euh, du ménage, euh, le fait qu'on soit sur une dissociation perpétuelle, néanmoins, euh, les OFS peuvent acheter le foncier à n'importe quel prix. Je, je, je caricature mais exprès. Enfin, il n'y a, a rien qui est fixé dans la loi et surtout, ils peuvent fixer le montant des redevances qu'ils souhaitent. Et moi, je pense que le plus grand danger, il est là. C'est qu'il faut faire très très attention à ce que ce type de foncière, hein, parce que c'est une foncière, ne vienne, pas, euh, ne vienne pas mettre en péril les accédants à la propriété. Et donc, euh, être très vigilant sur la question de la redevance, du lien entre l'acquéreur du logement et le propriétaire du foncier, et notamment sur cette question de la redevance locative. Parce qu'autant un prêt immobilier on sait le financer, hein, il y a une banque qui va vous faire un prêt, vous êtes assuré, etc. Euh, voilà, une redevance locative, c'est une dépense de fonctionnement. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense de fonctionnement. C'est comme si vous preniez un abonnement à une plateforme, à internet, etc. ou à une salle de sport. C'est une charge de fonctionnement qui tous les mois vous tombe, que vous devez assurer et qui pour autant n'est pas garantie par tout le système bancaire que représente un prêt immobilier. Donc pour moi, le point de vigilance, alors je ne nous sens pas concernés, nous, Rennes Métropole. Euh, mais pour moi, c'est un point de vigilance euh, en France, en tous les cas, euh, qu'on voilà, qu essaye de porter. Et puis, moi, je ferai rentrer euh, cette production euh, dans, dans, effectivement euh, dans le droit européen euh, des SIEG. Euh, pour nous, c'est aussi très important de reconnaître que c'est le prolongement du locatif social dans son parcours mobilité résidentielle. Mais ça, c'est propre à l'Europe, donc je ne vais pas trop m'étendre <laughs> sur ces questions-là. Luc vous avez également une question. Désactivez votre micro, Luc. Votre micro est désactivé. Voilà. Oui, bonjour. Luc Laurent, de Belgique. J'ai une question relative à ce principe de la dissociation du terrain et de la construction. En fait, euh, C'est pas quelque chose de neuf, euh, ça existait déjà dans le droit romain, euh, et puis ça a été repris dans le code civil ou dans, dans la loi civile, aussi bien en France qu'en Belgique, à travers le droit d'orphithéose et de cette superficie, mmh. qui permet cette forme de dissociation. Et donc, euh, et qui permet à, à un opérateur public ou une coopérative euh, de construction euh, reconnue, euh, finalement, de faire ce type de dissociation. Euh, et de l'encadrer dans le cadre des reventes ultérieures, donc de le rendre aussi perpétuel. Donc, pourquoi, quel est le, le sens d'avoir dû créer des organismes spécialisés on, peut, on pourrait très bien s'en passer. Alors, pour moi, il y a, pour moi, seul le BRS, en tous les cas dans la législation française, permettent la perpétuité. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas, à l'issue d'un bail, c'est exactement l'exemple des hospices lyonnais. Ce qui s'est passé à Lyon, euh, c'est qu'il y a plus de 100 ans, euh, les hospices lyonnais avaient consenti euh, des bouts amphithéotiques à l'époque, sur 99 ans. Euh, arrivé… Euh, plus personne ne savait qu'ils existaient. C'est beau, bon. ni les hospices, ni les acquéreurs des logements, ni les propriétaires actuels des logements. Et donc, il y a quelques années, euh, les, propriétaires des enfin, le, le, les, les, les propriétaires des logements ont été rattrapés par le fait que les beaux se sont éteints. Et donc, ils ont perdu la propriété. Enfin, ils étaient en train de perdre la propriété de leur logement parce que, effectivement, ce qui, euh, ce qui, effecti ce qui à la fin du bail, celui qui est propriétaire du, du bien immobilier ou des bureaux, enfin peu importe, ou des commerces, hein, parce que ça peut être entendu, c'est celui qui détient le sol, ce n'est pas celui qui détient le logement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prévoir des mécanismes de sortie inversée euh, quand on n'a pas ce cadre-là. Le BRS, lui, va permettre un rechargement du bail qui assure la, la, la dissociation perpétuelle. Pourquoi il a fallu créer des OFS, des structures en tant que telles Parce que effectivement, on aurait pu faire des bouts. Bah, ben, je faudrait reposer la, la, la question aux législateurs. Je pense que, à la base, ça a été beaucoup porté aussi par des opérateurs et notamment des coopératives qui n'arrivaient plus à sortir des opérations en accession sociale à la propriété du fait de la cherté des coûts du foncier, notamment le col du pays de, 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 de la région de Biarritz en France, qui s'est retrouvé euh, sur des marchés fonciers non maîtrisés par la collectivité. Avec des prix d'acquisition à l'époque de 1 1200 200 euros du mètre carré, alors que le prix de vente de l'accession sociale, terrain plus construction, etc., était lui-même plafonné autour de, je ne sais plus, 3 000, 5 ou, ou 4000 000 euros du mètre carré. Donc tout ça faisait que ces, ces, ces organismes de construction n'arrivaient plus à faire leur métier, n'arrivaient plus à produire de l'accession sociale. Donc l'idée, c'était de dire bah, on va créer des organismes. Ces opérateurs vont pouvoir s'inscrire dans une démarche, ils vont créer un organisme qui va faire qu'ils vont porter ce foncier, ils vont retirer le foncier du compte à rebours immobilier, ils vont financer le foncier autrement en allant chercher un prêt auprès de la Banque des Territoires. Mais c'est tout l'effet pervers du dispositif, comme je vous l'ai expliqué, euh, qui fait que... Et donc, pour la Banque des Territoires, il faut des structures, elle ne prête pas de l'argent comme ça. Euh, le, le, cas, le cas de Rennes Métropole est un cas atypique. On, est, on fait partie des seuls territoires à hein, ne pas utiliser de, de, de prêts de la Banque des territoires pour financer l'abordabilité de notre foncier. Nous, on considère que c'est une politique publique elle doit être assumée en tant que telle et pas être répercutée sur les ménages. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne veux pas être trop longue. On ne vous entend pas, monsieur vous euh, avez Luc, votre vous micro. Pouvez réactiver votre micro. Oui. Donc, en fait, euh, donc euh, en Belgique, toute euh, Louvain-la-Neuve, avec son université, c'est l'université qui est propriétaire, et donc tous les terrains sont euh, consentis en par bail qui reste un droit réel, mmh. et euh, pour éviter l'écueil de qu'au terme de 99 ans ça ne retourne à, à l'université. Elle a utilisé cette aussi vieille technique de, de, du droit romain qui est novation et qui permet de repartir, euh, au fond, en, en quelque sorte de recharger, puisqu'on repart pour une durée égale à la durée originelle du bail. Nous, n'a pas le droit. Et, 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 et l'autre alternative, et c'est ce que la, le droit belge vient de faire, c'est de modifier la législation en matière de bail amphithétique. En telle sorte qu'il soit renouvelable aussi. Euh, donc, ah, donc, on n'aurait pas dû mettre en place euh, un organisme intermédiaire qui, comme vous le soulignez, va à terme s'auto-perpétuer et engendrer des coûts de fonctionnement. Et donc, euh, je, voilà, donc, euh, si euh, le, les organismes sont des organismes publics qui peuvent acheter du, du foncier à des conditions euh, euh, utile avec des, des financements ou des mécanismes de subventionnement des collectivités, je continue à m'interroger sur la nécessité d'un organisme intermédiaire. Non, non, mais euh, moi je vous parle de notre situation en France où on ne peut pas recharger un bail amphithéotique sur lui-même. Je vous ai dit qu'on va étendre la dissociation, ouais. on va utiliser le bail à construction qui est non, comme est un ça bail ça. amphithéotique, hein, on est bien d'accord. Non, mais le, va, le législateur va... aurait pu choisir cette formule-là. Et il ne l'a pas choisie. Voilà. Merci. Merci. Nous allons prendre une dernière question euh, avant de mettre un terme à cette passionnante rencontre. Monsieur Cassé, vous aurez peut-être une question ou euh, le modèle africain, euh, bon, je sais qu'effectivement. Euh, vous n'avez pas pour l'instant quelque chose qui ressemble au RISOD, mais est-ce que quand même vous avez une réaction C'est toujours intéressant de savoir. Allez-y, votre micro est désactivé, Allez-y. Oui, activez votre micro s'il vous plaît, monsieur Cassé. Alors, activez juste le micro et... Euh... Ok, vous m'entendez, non, je pense. Oui, nous vous entendons, oui. Merci beaucoup. Je disais d'abord merci à Madame Nathalie pour sa présentation, sa brillante présentation. Le modèle africain, c'est un peu compliqué, puisque l'habitat et le foncier, il n'y a vraiment pas de politique cohérente dans tout ça. Et puis les terrains ici, c'est plus les coutumiers ou les. les... Donc les autochtones qui sont les tenteurs des du Donc Merci. ça ça, 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 un peu, ça complique un peu la situation mais néanmoins j'ai aimé j'ai aimé puisque si on pouvait calquer ces modèles pour les ramener ici chez nous et ça sera une bonne chose. Et je sais aussi qu'il il y a des, il y a déjà des, des, des il a déjà des, au niveau des organismes internationaux, internationaux comme l'ONI Habitat, il y, a, euh, il, y a, il y a des études qui, qui se font pour, pour avoir euh, une protection du foncier congolais. Là, donc, on va revoir les codes foncier congolais. Dans ce sens-là, je pense que c'est bien. D'abord, il faut protéger les, les, les fonciers et puis voir comment l'Habitat, qui est, qui est un fond qui se pose sur le foncier, peut, peut continuer à. à, à à, à, à la durabilité de, de, de son existence. Donc, j'ai dit merci. Et en Afrique, vraiment, c'est un peu difficile. Mais, mais à moi, nous sommes... C'est comme, hein, comme la nuit et les jours. C'est comme la nuit et les jours. Et petit à petit, mollo, mollo, je pense qu'on pourra atteindre même, les, même la chevelure de Mme Nathalie. <laughs> ah, c'est tout l'intérêt de nos échanges, avant hein, de croiser les expériences, euh, voilà. En tout cas, merci encore une fois de m'aller pour cette euh, je... belle présentation. Juste, juste pour oui. répondre à Monsieur en disant qu'il existe euh, et je pourrais vous donner des liens euh, qu'il existe des modèles, d'ailleurs qui ont reçu les prix euh, le prix euh, World Habitat euh, de, voilà, sur euh, dans des pays en développement ou dans, pour lequel euh, avec des problématiques un peu similaires. Alors, je me souviens mmh. plus euh, exactement. Et notamment, je trouve que le fait justement de, de travailler à la mise en place d'une propriété collective qui garantit qui garantit les habitants qui sont issus de l'habitat informel de pouvoir rester sur leur foncier, ça peut être aussi intéressant. Et en tous les cas, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de… Voilà, il y a un certain nombre d'exemples par rapport à ça. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Euh, Jean-Pierre Schaeffer, j'ai vu que votre main était levée. On a encore 30 secondes. Bon, si avez... Non, c'était juste, je, je suis très frappé dans cet exposé. Euh, vous avez insisté que sur le même mécanisme, on peut avoir des loyers de quelques, de quelques centimes et des loyers de plusieurs euros du mètre carré. Donc le diable est dans les détails. Donc dès qu'on va parler de transposition, de voyage, de comparaison... Ça veut dire que même dans une ville, d'une ville française à une autre, et donc aussi dans des comparaisons internationales, il faudra vraiment veiller à ce qu'on veut dire dans ce loyer. Je retiens que sous la même description du dispositif, on peut payer 500 euros par mois de loyer de terrain ou, 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 ou 50. Voilà. Ça, ça me paraît un message assez important. Vous avez souligné cette différence qu'on va trouver au sein même du dispositif français. Donc euh, message pour des transpositions euh, euh, plus lointaines. Moi, pourquoi j'insiste sur cette question-là C'est parce que je pense que le foncier, c'est une affaire de politique publique. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport au foncier et qu'il n'y a pas de solution miracle dans des outils. Le BRS est un outil de protection des politiques publiques, mais ne constitue pas une politique publique. Merci infiniment. Donc, euh, sur si ces belles paroles, euh, nous allons donc mettre un thème à cette rencontre. Je rappelle juste qu'au mois de novembre, nous aurons une présentation du rapport sur l'état du logement en Europe. Donc, notre partenaire in Europe édite tous les deux ans un rapport. Donc, voilà, on aura une présentation de ce rapport-là. Encore en vous remerciant de votre participation. Nous vous disons à très bientôt. Merci encore une fois, Madame de Malais, pour votre présentation et à, à très bientôt. Merci. Au revoir. Madame de Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.